Bonjour, bienvenue à tous pour cette conférence sur Pompéi. Alors, que peut-on apprendre encore de Pompéi aujourd'hui ? Eh bien, presque tout, puisque la ville de Pompéi n'a pas révélé tous ses secrets encore aujourd'hui. On a encore des fouilles qui ont lieu, il y a encore des parties qui n'ont pas été fouillées de la ville. Et pour les parties fouillées, les archéologues ont découvert des trésors, ont amassé du matériel pour lequel il faut vraiment des années d'études pour pouvoir l'exploiter. Alors, Pompéi, pour nous, ce sont avant tout des ruines. Ce qui est resté après la catastrophe qui a frappé les esprits, l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère, au temps de l'empereur Titus. Et parmi ces nombreux vestiges, et grâce au progrès de la connaissance réalisée par le travail des archéologues, j'ai essayé de faire une sélection d'images et d'histoires pour essayer de ressentir peut-être la vie pompéienne telle qu'elle a dû être avant la catastrophe. Alors on commence par cette vidéo sur la maison d'Orion pour parler des dernières fouilles, les fouilles récentes qui ont eu lieu en 2017-2019, qui ont été financées par l'Union européenne. Pour quelles raisons ? Ben parce qu'il y a une grosse partie, un gros bâtiment qui s'est écroulé. Et du coup, il y a eu une prise de conscience en Italie et la communauté européenne a débloqué de l'argent pour consolider le terrain et pour qu'il y ait une intervention à la fois de stabilisation du terrain, mais également déblayer de nouveaux terrains sur une zone non fouillée. Le directeur de la fouille est Massimo Ossana, qui a aussi été le commissaire de l'exposition au Grand Palais qui a eu lieu en 2020. Et donc son objectif était aussi de restaurer des domus importantes. Ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo, c'est que depuis 1995, il y a des fouilles et l'archéologie est devenue une science très très complexe qui prend énormément de temps, puisque ensuite les scientifiques vont émietter les données, essayer de prendre un grand nombre de paramètres en compte pour essayer d'établir un contexte. Donc c'est un travail de fourmi sur des milliers de données. Alors, ce qui est intéressant avec les fouilles de 2017, c'est qu'ils ont dégagé une zone entière. En fait, au lieu d'y aller maison par maison, ils ont dégagé un petit quartier. Et donc, il s'agissait de ruelles bordées d'ateliers avec des locaux de service, une place avec des fontaines. Voilà, et donc, c'était assez intéressant de pouvoir envisager ça. Alors, je vous montre cette vue du 19e siècle qui a été réalisée par un artiste qui avait fait, comme beaucoup d'artistes, beaucoup d'intellectuels, qui faisait le tour d'Italie au XIXe siècle pour aller s'imprégner de l'ambiance des ruines de l'Antiquité. Et donc, en fait, là, vous voyez un tableau qui a été réalisé par un apprenti peintre où on voit les fouilles en train d'être réalisées. Pour revenir sur l'histoire des fouilles, en fait, d'abord, on a retrouvé Pompéi un peu par hasard en creusant un canal en 1592. On a retrouvé un petit morceau, puis on l'a oublié à nouveau. Et on y est revenu au XVIIe siècle, mais c'est surtout en 1748 qu'il va y avoir des fouilles vraiment organisées. Sauf qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, ce qu'on cherche, c'est plutôt à récupérer des objets pour décorer les palais de Charles, puis ensuite de Ferdinand de Bourbon, qui sont les souverains qui règnent sur Naples. Il faudra attendre le 19e siècle pour que la ville soit dégagée sur une bonne moitié de sa surface. Il y aura les premières publications, on va réaliser des plans et on va diviser le site en régions, en îlots, pour localiser les différentes observations. Et donc, comme vous pouvez le voir, alors là, on voit juste une brouette, mais il faut imaginer qu'en fait, pour déblayer, pour évacuer les déblais, on avait même mis en place un petit chemin de fer qui permettait de dégager les déblais. Pompéi est une ville qui s'étend sur une surface étendue, hein, puisqu'elle recouvre près de 60 hectares. Et à ce jour, on peut considérer que les deux tiers ont été fouillés. On est à 44 hectares qui ont été fouillés, alors plus ou moins imparfaitement. Alors, je vous montre une vue aérienne de Pompéi où on voit bien, vous voyez la position du Vésuve, vous voyez la position de Naples et vous voyez Pompéi sur la rive sud du Vésuve et vous voyez surtout que Pompéi aujourd'hui est complètement placée à l'intérieur des terres, à plusieurs kilomètres de la côte.
Ce qui n'était pas le cas, ici je vous montre une reconstitution qui est proposée dans un film qui est paru sur Pompéi en 2014. On sait aujourd'hui que Pompéi était une ville portuaire. Elle était positionnée à l'embouchure du Sarno, qui constituait, en fait le Sarno c'est un petit fleuve qui constituait un axe économique qui permettait de relier d'autres villes et qu'elle constituait, la ville de Pompéi était surplombée la mer à 25 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors je vous montre là une vue aérienne encore, un plan de Pompéi. Et donc la question que vont se poser très vite les archéologues, c'est est-ce que Pompéi est vraiment une ville romaine ? Alors on s'est posé cette question et la réponse a d'abord été pas tout à fait. Puisqu'en fait, ce que vous voyez, j'ai dessiné sur la vue aérienne, j'ai dessiné le dessin de l'enceinte. Hein, donc il y avait une enceinte qui entourait la ville, qui a été, dont les premières traces datent du 6e siècle avant notre ère, qui a connu plusieurs reconstructions au 4e, au 2e siècle avant, et qui comportait 12 tours et 7 portes. La ville n'a pas été construite au sommet, puisqu'en fait la ville de Pompéi est en pente. Elle n'a pas été construite au sommet, mais elle a été construite le plus près de la mer possible. On situe au 2e siècle le moment où elle a connu sa plus importante construction. Et à cette époque-là, elle n'était pas romaine. Elle était peuplée par des Samnites. Les Samnites, ce sont un des nombreux peuples qui existaient déjà en Italie et qui ont été ensuite soit conquis par les Romains, soit juste intégrés dans l'alliance. C'est ce qui s'est passé par les Samnites. Les Samnites faisaient partie de l'armée romaine, combattaient, se vendaient comme mercenaires dans l'armée romaine. Et donc, ce que j'ai dessiné sur cette vue aérienne, ce sont les deux axes, alors on pourrait dire les quatre, le fameux Cardo et Decumanus. Toute ville romaine est orientée très géométriquement, c'est-à-dire qu'on quadrille la ville et à l'angle des deux rues les plus importantes, en général, on place le forum. C'est souvent un moyen qu'ont les archéologues de reconnaître une ville romaine. Alors, le problème ici, c'est qu'on a bien non seulement un Cardo et un Decumanus, mais même plusieurs. Donc, Cardo, c'est celui qui va du nord au sud. Decumanus, c'est celui qui va de l'est d'est en ouest. Et ensuite, on a le même axe reproduit de façon secondaire. On les a bien à Pompéi, ils sont peut-être un petit peu déplacé. La question, c'est que malgré tout, on a beau avoir un urbanisme qui est réputé pour être romain, on sait très bien qu'à l'époque, c'est-à-dire plusieurs siècles avant notre ère, cet urbanisme était adopté par d'autres peuplades sous influence romaine, ce qui était le cas notamment à Pompéi, puisqu'elle n'était pas romaine à l'époque où, au IIe siècle avant notre ère, date où ont été construites la majorité des constructions de la ville, la ville n'était pas romaine, elle était samnite, et pourtant on a un urbanisme romain. Alors, encore une fois, la question sur la ville romaine, quels sont les signes d'une ville romaine ? Donc, je vous montre une autre vue aérienne, où justement, ce qui est surprenant à Pompéi, c'est qu'elle a deux pôles de développement. Alors, je vous ai mis en blanc le forum, le fameux forum qui existe dans toutes les villes romaines. Et ce qui est entouré en rouge, c'est un ensemble d'édifices qu'on va aller regarder de plus près, qui est comme un deuxième forum. En réalité, c'est le premier forum. C'est ce qu'on appelle le quartier des théâtres, qui regroupe à la fois un temple, un théâtre, un forum. Et donc, ce qui est étonnant à Pompéi, c'est qu'elle est deux axes, deux pôles de développement. Normalement, toute ville romaine a avant tout un forum. Et donc ça semblerait orienter l'interprétation de Pompéi vers une ville qui a développé aussi un art de vivre à la grecque. Elle était autant grecque que romaine, et c'est d'ailleurs ce qui plaisait autant aux Romains. Parce que quand ils venaient en vacances ou en week-end à Pompéi, ils avaient l'impression d'être partis en vacances en Grèce. Donc cette zone des théâtres, je vous montre
un zoom dessus. Donc là, vous voyez, il y a le grand théâtre, il y a un petit Odéon. Alors celui-là, il est beaucoup plus tardif. Sur la gauche, vous avez un forum qui reste, qui était un lieu de réunion, sur lequel on a trouvé les restes d'un temple très important qui était à la fondation de la ville. Et juste devant nous, on a ensuite une espèce de piste d'athlétisme sur laquelle on a trouvé beaucoup de places, beaucoup de choses y entrer aux gladiateurs, à leurs entraînements, des vestiges de toutes sortes autour de l'entraînement des gladiateurs. Donc vous voyez, on a une espèce de complexe assez original dans une ville romaine. C'est plutôt le fait que le théâtre, le temple et le lieu d'entraînement des gladiateurs soient regroupés au même endroit, c'est plutôt une caractéristique grecque, puisque dans les villes romaines, ce sont des éléments qui sont plutôt dispersés. On a le forum qui concentre l'essentiel de l'activité, et puis ensuite les autres fonctions sont plutôt dispersées. Donc originalité de Pompéi, et pour continuer sur le théâtre, on a de somptueuses mosaïques qui nous montrent ici plusieurs personnages. En fait, il s'agirait d'une représentation, d'une vue des coulisses, hein, avec les acteurs qui sont en train de se changer, de répéter ce qui va faire leur scène. On en voit un qui est en train de s'habiller. Donc les acteurs à l'époque romaine ou à l'époque grecque portaient des masques et des costumes. La plupart des personnages, enfin les personnages étaient joués exclusivement par des hommes et donc ils portaient des masques et des costumes. Donc ce qu'on voit bien représenté sur cette image. La plupart des représentations aussi étaient données en musique. Et donc c'est ce qu'on voit ici sur cette mosaïque qui décorait une maison de la ville de Pompéi, où on voit des acteurs, enfin là en l'occurrence ce sont plutôt des chanteurs et des musiciens qui sont représentés sur cette fresque qui était quand même assez vivante. On peut imaginer l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Il faut savoir que la plupart de ces acteurs, chanteurs ou musiciens étaient des esclaves, souvent des affranchis. Certains pouvaient être célèbres et fortunés, mais restaient quand même néanmoins ou esclaves ou anciens esclaves. C'est difficile à concevoir pour nous. Donc là maintenant, je vous invite à repartir sur le deuxième pôle dont on a parlé, qui normalement dans une ville romaine est le premier pôle de développement. Et d'après les archéologues, on a constaté que en fait, ce forum avait été développé dans un deuxième temps. Donc le premier lieu de regroupement de la ville de Pompéi, c'est d'abord le quartier des théâtres. Alors que le forum, il est bien au carrefour, comme dans toutes les villes romaines, au carrefour des principales rues de la ville. Ça reste, en tout cas, ça sera pour Pompéi, un centre économique, hein, un lieu où on va trouver le marché, on va échanger les marchandises. C'est aussi un lieu politique, puisque c'est là que sont toutes les institutions municipales de Pompéi. Je vous montre une fresque qui a été trouvée dans une des maisons de Pompéi et qui nous donne une petite idée de ce que pouvait être une scène de vie, disons, quotidienne à Pompéi, sur le forum. Pompéi n'est pas du tout une ville importante, hein, c'était une ville de taille moyenne, moins importante que Naples ou que Stabie, ou Cumes ou Pouzol. En tout cas, il faut imaginer quand même la place de Pompéi comme un lieu où les gens se rencontraient. Là, on voit un père avec un jeune garçon. On voit aussi un brasero, peut-être quelqu'un qui vend des fruits secs. Voilà, donc une activité banale et en même temps assez conviviale. Il faut imaginer que cette place comportait des statues. Alors, des statues qui étaient en référence aux empereurs romains, mais aussi aux grands hommes de Pompéi avec des dédicaces. On a retrouvé pas mal de traces comme ça. Alors, quelques points qui sont trompeurs. On a longtemps pensé que cette image qui a été retrouvée, en fait, c'est une fresque qui décorait une villa de Pompéi. On a longtemps pensé que cette fresque représentait un boulanger à l'œuvre, en train de vendre ses pains. On a compris aujourd'hui, après avoir étudié beaucoup de matériel archéologique, que finalement, cette personne-là n'était pas en train de vendre du pain. Il s'agit plutôt d'un notable dont le leitmotiv pour sa campagne a été de dire « celui qui fait du bon pain ». Et en réalité, il n'était pas boulanger, ce n'est pas lui qui réalisait du pain, il possédait
plusieurs boulangeries. Et donc, il va se servir de cette image pour faire campagne. Et donc, il vendait dans sa campagne le fait qu'il mettait ses boulangeries au service de ses concitoyens. Alors, tout ça, ça a été rendu compréhensible parce que les archéologues ont étudié toutes les inscriptions qui existaient au moment de l'ensevelissement de la ville de Pompéi. Je vous en montre une juste là. Et donc, ils ont retrouvé des tas d'inscriptions qu'ils ont analysées et qui montraient qu'en fait, à chaque campagne électorale, les gens, en tout cas les candidats et leurs supporters, peignaient des murs de la ville pour vanter et pour inciter les gens à voter pour eux. Le peuple à la mode romaine, c'est-à-dire qu'il s'agissait des hommes libres, donc bien sûr pas les femmes et pas les esclaves. Donc le peuple participait à l'élection de 4 magistrats chaque année. Donc ça tournait en fait, c'est pas le même qu'on élisait chaque année, mais en tout cas on avait 2 personnes qui étaient chargées, l'équivalent du maire pour nous, et il y en avait 2 qui étaient là pour rendre la justice dans la ville. Alors donc bien sûr ce qui a surpris beaucoup les archéologues, c'est sur ces affiches en graffiti. Ben, pour l'essentiel, ce sont des hommes qui faisaient campagne, mais on a trouvé aussi des femmes. Donc ça a beaucoup surpris. Donc on a trouvé qu'il y avait 50 femmes sur 274 candidats, ce qui est quand même qui va à l'encontre, en tout cas, des idées reçues sur le traitement des femmes dans le monde romain. Donc je vous amène dans une autre partie de Pompéi pour vous montrer ce qu'on a appelé le thermopolium. Alors le thermopolium, en fait, il s'agit d'un bar équipé d'un comptoir de vente en forme de L, dans lequel étaient insérées de grandes jarres. Et là, ce qu'on vous montre sur cette vidéo, c'est que dans une des dolias, puisqu'on appelle les dolias ces grandes jarres, on a découvert un trésor de 1600 pièces de monnaie pour un montant de 585 sesterces. Peut-être que c'était la recette de la journée, le jour de l'éruption. Ce qu'on voit aussi sur cette vidéo très bien, c'est le larère. Le larère, c'est le petit hôtel du foyer, là en l'occurrence du thermopolium, qui est très bien conservé. Dans chaque foyer, les Romains rendaient hommage au lard et aux pénates. Je vais vous parler d'un personnage pour lequel on a pu reconstituer pas mal de choses en recoupant des sources. Je vous montre l'image de Iucundus. Alors, Iucundus, dont on a conservé un buste en bronze, était ce qu'on appelle un des fermiers de la colonie. Alors, fermier dans le sens qui a fermé, c'est-à-dire qu'il avançait à la municipalité l'argent de la location de biens, par exemple. Si la cité possédait une foulerie ou un domaine foncier, c'était lui qui était chargé de récupérer les loyers. C'était lui aussi qui se chargeait de récupérer les taxes. C'est lui aussi qui organisait les ventes aux enchères sur le forum. Il prélevait une commission en avançant l'argent des ventes. Et donc, on vendait toutes sortes de choses aux enchères. Et on a retrouvé beaucoup de tablettes chez lui. Alors, ce qui est intéressant avec Iucundus, c'est qu'en fait, il était quand même riche. Vous allez voir sa maison. Il vivait quand même de manière très confortable. Et pour autant, il n'était pas assez riche pour mener une carrière politique. Vraiment, dans l'esprit des Romains, ce sont les plus riches d'entre eux qui devaient se dévouer plutôt à la collectivité. Donc lui, il n'était pas assez. Alors on va aller voir sa maison, parce que en fait, c'est une reconstitution à la fois où on va pouvoir voir une maison romaine, mais en même temps, on a essayé de reconstituer un décor. On est tout au fond de la maison, là, et on va traverser cette maison. Donc là, vous voyez, on a c'est ce qu'on appelle un péristyle, c'est-à-dire une espèce de lieu à arcade autour d'un jardin, avec des habitations de part et d'autre, comme autour d'un patio. Puis là, on rentre, on va sortir de la maison, on passe par l'atrium avec son réservoir pour l'eau de pluie, qui est vraiment très, très typique des maisons romaines. Et puis là, on est en train de ressortir dans la rue. Mais ça donne vraiment un aperçu du décor assez classique d'une maison romaine. Voilà. J'en profite, puisque je parle de décor romain, pour vous montrer
Alors évidemment, là, on pourrait faire une conférence juste sur les décors des maisons de Pompéi. J'en ai juste sélectionné deux pour leur aspect tellement vivant. Ici, vous avez, en fait, ce ne sont pas des êtres humains, hein, ce sont des déesses, les déesses de la beauté, les trois grâces. Selon, on a plusieurs interprétations sur leurs attributs et leurs fonctions dans les sources romaines. Toujours est-il que nous, on les a bien adoptées, puisque depuis la Renaissance, tous les peintres, les peintres n'ont cessé de les représenter chez nous. Et je voulais vous montrer aussi cette fresque qui est décorée une maison romaine et qui est un portrait de vieillard qui, moi, personnellement, me frappe beaucoup par ce côté tellement vivant qu'on a l'impression de le voir, de l'avoir connu. Et alors pour finir, je voudrais développer une histoire autour de l'amphithéâtre. Alors l'amphithéâtre, je vous le montre, vous avez une vision ici de la construction. C'est un bâtiment qui a été édifié en 70 avant Jésus-Christ, c'est un des plus anciens du monde romain. Vous savez que c'est un lieu où avaient lieu des combats entre les hommes, aussi bien que des chasses et des présentations de bêtes dressées. Je vous montre une vue aérienne. Vous voyez qu'il a une forme elliptique assez grande. Il pouvait accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs. Et puis, je vous montre, en fait, je vais vous parler d'un fait divers qui a eu lieu, alors, qui a alerté, en tout cas, les historiens et les archéologues, parce qu'en fait, on a trouvé une fresque. C'est la fresque que je suis en train de vous montrer, qui a été baptisée Rix de 59. Donc, on est donc 20 ans avant que n'arrive la catastrophe. Et donc, on voit ici une représentation de l'amphithéâtre. Vous avez des gradins, vous avez la scène de l'amphithéâtre. Et un peu partout où que vous regardiez, vous voyez qu'il y a des bagarres qui opposent. Alors, je vais utiliser un anachronisme, mais on parle de hooligans. Alors, je vous montre juste une petite vidéo, histoire de vous mettre dans l'ambiance. C'est une reconstitution de vous imaginer dans cet amphithéâtre aux prises. Alors là, on voit des combats de gladiateurs, ce qu'appréciaient particulièrement les Pompéiens. Et je reviens à ma fresque où j'ai essayé de zoomer sur la partie qui concerne vraiment l'édifice, l'amphithéâtre. Et je vais vous lire en fait ce qu'on a trouvé dans un texte de Tacite qui a été écrit au moment où avait lieu ce fait divers et qui le raconte. Une petite dispute fut à l'origine d'un horrible massacre entre les habitants des deux colonies romaines de Nocera et de Pompéi. Livinéus Régulus, que j'ai dit avoir été chassé du Sénat, donnait un spectacle de gladiateurs. Comme il arrive d'ordinaire dans les petites villes, on en vint aux injures, puis aux pierres et enfin aux armes. La victoire resta aux Pompéiens, chez qui se donnait le spectacle. Beaucoup de Nucériens furent rapportés chez eux, le corps mutilé. Un grand nombre pleurait la mort d'un fils ou d'un père. Le prince renvoya le jugement de cette affaire au Sénat et le Sénat au consul. Le Sénat, en ayant été saisi de nouveau, défendit pour 10 ans à la ville de Pompéi ces sortes de réunions et supprima les associations qui s'y étaient formées au mépris des lois. Livinéus et les autres auteurs furent punis de l'exil. Voilà. Donc un peu, une histoire de faits divers qui nous fait nous sentir plus proches de cette époque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après toute l'histoire que je viens vous raconter, qui est relatée par Tacite, il y a eu une enquête. C'était plus qu'un fait divers, quoi, en fait. Donc, les deux représentants municipaux ont été destitués. Mais la question que se posaient les archéologues, est-ce que les Pompéiens ont accepté la sanction, c'est-à-dire l'arrêt pendant 10 ans des spectacles? Bon, ils ont trouvé que non, parce que finalement, on a trouvé des affiches annonçant des spectacles en 61. Ce n'étaient que des spectacles athlétiques. Mais comme il y avait eu interdiction de toute manifestation dans l'amphithéâtre de Pompéi, on peut considérer que les consignes de Rome n'ont pas été tout à fait écoutées. Alors, je voulais conclure. J'ai essayé de vous montrer, en fait, aucune prétention à l'exhaustivité. C'était une espèce d'image kaléidoscope, quelques images, un ressenti, des rencontres avec des histoires de Pompéiens. Et alors, Pompéi reste vraiment dans la mémoire, pour les historiens, comme un précieux témoignage d'urbanisme
et de civilisation romaine, même si, comme je vous l'ai montré, c'est un héritage mêlé. C'est un lieu où on rencontre de nombreuses œuvres antiques, dont beaucoup de peintures, et surtout, c'est un lieu qui fourmille d'informations sur la vie des Romains et qui est devenu une cité identitaire pour l'Italie. Et donc, pour s'échapper à nouveau et pour montrer aussi l'influence de tout cet héritage sur nous, actuellement, je vous montre une vue de la Villa Kérylos qui a été construite sur la Côte d'Azur, qui a été conçue en 1902 par Emmanuel Pontremoli pour l'archéologue Théodore Reynac, où en fait qu'on appelle la Villa grecque. Donc on est en pleine cette période de la fin du 19e et début du 20e où on veut vivre à l'antique. Sauf qu'à cette époque-là, on ignore totalement de comment sont faites les maisons grecques, et que par contre, toutes les fouilles de Pompéi nous ont amené beaucoup d'informations nous permettant de savoir comment étaient les maisons romaines. Et donc, les fouilles de Pompéi qui ont fourni un grand nombre d'inspirations pour réaliser cette maison de Kérylos, qui est dite la maison grecque. Mais là, je vous montre juste un exemple de cette maison qui a été construite. Mais en fait, on pourrait prendre des milliers d'exemples dans notre vie quotidienne qui ont été inspirés par ce qui se faisait à Pompéi, et donc on pourrait dire que Pompéi continue à vivre à travers nous.